Je m'appelle Julien Naki, je suis ivoirien. Je suis journaliste et écrivain, poète. Oh, ma source d'inspiration, c'est la vie de tous les jours. Ma source d'inspiration, c'est ce qui est viscéral en moi. Ma source d'inspiration, ce sont mes yeux qui regardent l'environnement dans lequel j'évolue et les travers qui me touchent, que je veux corriger. Voici ma source d'inspiration. Délices de renégat, c'est le titre d'un poème à l'intérieur de cet ouvrage qui est un recueil de poèmes. J'estime que j'ai donné toute la partition musicale qui sort de mes vers à cet ouvrage. Et c'est une musicalité que j'ai accouchée dans ce livre. Et la musicalité vient de quelqu'un qui est un renégat, parce que je me considère comme un renégat eu égard à beaucoup de choses que j'ai traversées dans la vie. Donc voici ce qui explique un peu le titre Délices de renégat. Le message que je véhicule, c'est de célébrer la vie. Le message que je véhicule, c'est de se départir de tout ce qui est négatif. Le message que je véhicule, c'est que dans la vie, il y a toujours une dualité. Il y a le bien qui est toujours opposé au mal. Il faut choisir toujours le bien pour nos États, pour nos pays, pour nos familles et pour nos amis. Le prochain ouvrage est un roman qui s'intitule Entre hommes. Il sort, je crois, fin décembre ou début décembre. Ça dépend de mon éditeur, mais le tapuscrit est déjà avec l'éditeur. Ce sont des hommes qui se penchent un peu sur les histoires conjugales qu'ils ont eu à vivre. Ce sont des hommes qui sont rassemblés amicalement, quelque part. Et qui commence à parler des femmes, voilà, de la vie conjugale, des travers conjugaux, de tout ce qui est scène de ménage, voilà un peu ça, des exagérations des femmes, mais également des exagérations des hommes, hein, voilà, dans la vie d'un couple.